Salut, ici l'équipe de Freelabster. Aujourd'hui, la certification platine du lab Maker & Co. de Vincent. Alors, la communication de Vincent a été plutôt minimale. Et donc, nous allons voir ce que donne cette pièce. Le packaging lui-même fait un peu peur. Et je me demande si la pièce a bien supporté son envoi. Hein, surtout pour les pièces un peu fragiles comme celle-ci sur les pattes. Imaginons pour des pièces plus complexes encore, ou plus fines, pour des pièces techniques, sur des pièces différentes. Voilà, donc a priori, il n'y a pas eu de souci. Les gens ont fait attention. La pièce a été d'une apparence extérieure très correcte. Donc le post-print a été fait. Hein. Il y a eu un travail qui a été fait d'acétonnage, a priori. En tout cas de lissage, ça c'est sûr. Et les pattes, les ponts, etc. Il n'y a rien à dire. L'arrière, il y a quelque chose sur ces derniers polis platine à donner du mal à nos futurs freelabsters. Voilà. Bon, c'est une pièce relativement correcte. Il y a le travail sur le lissage sera probablement à améliorer, j'imagine. La communauté permettra d'avoir de grands conseils et puis l'expérience elle-même qui va venir au fur et à mesure pour ce type de travail. Voilà, donc écoute, nous t'accordons la certification platine et puis on va voir avec les autres pièces ce que cela donne. Voilà. Thank you.